Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel et normalement dernier épisode de Heroes of Might and Magic 2 sur la campagne du bien. On est toujours dans notre dernière mission à la recherche du Bill Archibald pour lui faire payer. Alors on se retrouve donc pour continuer tout ça. Alors nos héros, où est-ce qu'ils en étaient? Parce que ça fait un bon moment que je n'avais pas enregistré. Donc je suis un petit peu perdu. Ok. On va le ramener là. Lui c'est déjà fait. Ouais bon bah elle a pas pour faire grand chose de plus. Voilà. On va se regrouper là. Si au ch ici je voulais recruter un petit peu de monde. Et ce que je voulais faire c'était revendre des ressources. Parce que j'en ai plus vraiment besoin. Et voilà. Histoire que lui puisse acheter. Ok. Alors. Donc lui va retourner au château. Avec Roland, on va prendre ce château-là. On va traîner dans le coin un petit peu pour essayer de choper les héros qui traînent. Avec lui, on va monter là-haut parce que ce perso-là va nous reprendre le château. Elle, elle fait rien. Et lui, alors il fait encore moins. Ouais, il retourne là-bas aussi, faire dodo lui. Et ici, bah, on aura un super château aussi. On va pouvoir recruter des dragons noirs. Ça va être bien cool. Alors, ce héros-là n'a pas grand-chose. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une petite armée. Allez l'affronter, oui, on a largement ce qu'il faut. C'est parti. Lui, il va continuer de monter pour reprendre le château. Ça prend un peu de temps, mais quand même, ça va le faire. Lui, il vient là. On va recruter tous les paladins. Tout cela. Parfait. Et avec Roland. Alors, déjà, on va les taper sur elle. Tranquillement. Mysticisme, c'est bien. On va aller buter lui, ça devrait pas être très difficile. Lui ne sert à rien, ok. Et donc ils ont quand même un peu de monde, faut faire gaffe. Bon, on a nos 8 géants. Pas très très inquiet. Est-ce que j'ai pas un sort qui me permet de voir voir village, mais est-ce que ça me donne les châteaux aussi? Je pense que oui. Donc on va plutôt partir à gauche avec Roland. Ah, commence à être sympa lui son armée. Ouais, bon, pour ce qui reste, on va pouvoir partir avec. On va monter donner un coup de main chez les violets là-bas. Il est très lent hein, ce héros, c'est son seul problème.
On va traîner dans le coin en attendant. Tranquille. Tranquille. Et on va attendre là sagement. Très avancé effectivement ce château. Bon lui par contre il va être chiant, mais pas intuable. Bon là, tranquille. On va commencer à monter par là. Il y a quelques héros mais ils sont tout pourris. On va les écraser. Reste là. Alors, Roland, bon bah lui il va tuer lui, ce sera fait. Tuer lui, ce sera fait. Et ça serait bien que là-haut, voilà, on recrute des dragons noirs, des hydres, des gargouilles, des centaures. Et j'ai oublié les griffons, on va plutôt faire les griffons. On va reculer pour mieux sauter. On va juste lui faire perdre du temps. Ok, on a un autre château par là, on va se le faire. Ah oui, on lui fait même pas un seul dégât en fait. Je pense qu'il fait le sort de magie, non? Oui, bah voilà. Ah non, même pas. Au point de ne pas en tuer un seul quand même, ça me surprend. Bon, 14 dragons, d'accord, ça fait un peu mal. Ouais, non, on peut même pas en tuer en fait. Effectivement. Alors on va essayer d'en tuer au moins un. Il avait resté en 10, bah voilà. Mieux que rien. Donc elle, serait bien qu'elle aille plutôt là. Et lui, j'ai envie de croire
On a quand même ce qu'il faut pour l'affronter. Voilà, Roland a pris ce château-là, c'est fait. On va repasser ici. Et on s'en fout. On va voir ce qui se passe. S'il m'attaque pas, c'est que je pense qu'on est plus puissant. Allez, on va le rejouer celui-là. C'est le gros combat. Moment. Évidemment, ça affectera personne. Ils ont mis de lenteur, bien évidemment. Oh. Je l'ai dit. Bim. Oh la violence. Ah, on va les écraser en fait. Ouais, ça fait mal par contre. Est-ce qu'il va fuir dans la foulée? Non. Allez, bim! Allez, on commence. Surtout pas qu'il fuit. Et voilà! Un gros héros, lui. C'était. Donc, ça, c'est bon. Elle, elle peut se faire, elle, sans problème. Là, on recrute tout ce petit monde. Non, c'était pas ce héros là, c'était peut-être Roland hein, qui pouvait faire voir village. Ok, donc il y a un truc violet là, un violet là, un violet là, un vert. Et là il y a un rouge, donc c'est probablement Archibald. Donc après on va aller là, on remonte le chemin et on va faire les violets. Ok, plus celui-là bien sûr, ne pas oublier. Alors, tac, tac. Tac, puis tac, ça me paraît pas mal. Touf, 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 bim. Ah non, il y a un autre château ici, je sais pas si je l'avais vu sur la carte.
Il y a encore du héros qui traîne dans le coin. Faire gaffe quand même. Ok. Bon, alors, Roland. Tranquille. Logistique, c'est bien. On va revenir au château. Voilà. Histoire de ne pas se faire surprendre bêtement. Ici, ça passe. Roland. Voilà, on va attendre l'autre. En même temps, on découvre du territoire, c'est pas plus mal. Alors, ce que je voudrais faire avec lui, c'est peut-être revenir là, en refaire un autre héros qui va arriver un peu par les arrières. Ah, il va pas être très puissant par contre, hein. J'hésite à y aller, j'hésite à y aller, je vais pas y aller. Attendre un peu. Oula là là, oula 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 oula. C'est quoi ce nombre de héros imbuvables? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui d'accord, c'est. C'est la dernière chance là, c'est. J'ai jamais vu autant de héros. Mais bon, moi s'ils valent hein, mais hallucinant. Bon, lui va peut-être nous en vouloir un peu, donc on va s'en aller. On va attendre une semaine de plus ici. Je pourrais faire tellement de héros et d'armées, j'ai la flemme, mais. Allez, on y va. Subis une défaite? Ah merde. C'est pas grave, hein.
Merde. On va faire perdre du temps surtout. Ouais, c'est fini les dragons. Pas loin. Hop, essayer d'emmerder les vampires. Ça va. C'est paralysie qui me lance à chaque fois, j'avais pas compris, d'accord. Je me souvenais plus ce que c'était que ce sort. À finir avec eux hein. Il reste de la magie, bien évidemment, pas assez. On pensait peut-être pouvoir en soigner quelques-uns, histoire de dire, mais. Pas grave, on va les endommager le plus possible. Allez, on n'en parle plus. Voilà, on a perdu, c'est pas grave. Elle a le champ libre. Bon non, quand même. Bon d'accord, ils ont 40 squelettes, mais le reste... Ah, c'est vrai que niveau sort, il n'y a pas grand-chose qui les affecte. Hein. Je regarde hein, tranquillement. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Oui bah là forcément. On va essayer de leur faire le maximum de dégâts hein. Collez-vous entre vous. Mais il reste de magie 52 quand même. Hein.
Ah, ça se joue à rien. Vraiment, hein. Désolé pour les nains. Non, ça leur fait même pas de dégâts. Ouais, terminé. Mais c'est pas grave. Au moins recruter là. Ouais, j'ai un sou, j'ai un beaucoup de fric. Un peu la folie. On va stagner dans le coin. On a dit qu'ils étaient là. Ok, le château est juste au-dessus là. On va y aller avec lui. Et lui va bloquer la route là. Ok, lui il attend encore un jour. Voilà. Puis là, on va recruter aussi, hein. Y a pas de raison. On va se refaire une armée, hein. Déjà, elle va pouvoir venir à la rencontre de lui qui est là-haut. Ici on recrute, tant qu'à faire, on se fait plaisir. Voilà, toi, tu achèves lui et puis tu vas aller achever ça. Ici on recrute aussi. Et hop, on va partir reprendre le château qui est là-haut. Donc on est d'accord que par là, non, c'est pas ressources. C'est voir village. Il y a encore un château violet là-haut et les verts ont plus rien normalement. Ok. On va bien voir. Oui, en fait, il va à celui-là, quoi. Ouf, j'ai assez de sous pour faire la même chose, hein. Ok, on n'a plus de joueurs verts, parfait. Et maintenant, ça m'a l'air bien fermé pour aller là-haut. Passer voir quand même par le nord.
C'est bizarre, je trouve. Je me demande s'il n'y avait pas un truc particulier à faire. On va bien voir. Ils vont peut-être venir. Voilà, ça va au moins les attirer. C'est peut-être par là-haut. On va aller voir avec ce héros-là. Ah, est-ce qu'il fallait pas y aller? Est-ce qu'il faut pas y aller par la mer? Faire un bateau là? Bien être ça. Celui-là c'est fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, encore un héros qui ressort là-haut. Ok, t'as une armée. Très très bien. Donc déjà on va mettre la défense. Voilà, ça c'est fait. Et je vais commencer à ramener Roland. Par ici. Ça passait les tours aussi. Soit c'est le dernier héros violet. Sachant qu'il leur reste le château qui est en bas là, hein, que je vais aller prendre tout de suite. Avec lui. Ok, soit ça veut dire qu'il reste encore quelque chose là-haut. Ok, encore un héros violet qui revient. Qui n'a pas grand-chose d'ailleurs. Donc j'en conclus que là-haut, on a encore un château violet. On va aller voir ça au tour d'après. Ouf. Bon, il y avait quand même beaucoup de monde, hein. C'était pas... Qu'est-ce qu'il fait Roland? Non, c'est par là Roland. C'était pas si simple, mais bon. Ah, j'ai la flemme de bouger tous les héros là. Ah bah oui. Tiens des nains, un coffre. Voilà, rentre dans le bateau, on va aller voir ça, mais ça, je me pose la question. Comme je vois que la mer entoure tout le truc, et qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'accès. Allez, 10 000 objets. Wow, Land of Artifact. Joueur violet vaincu. Ouais, ben voilà, on a fait tout le tour de la carte. C'est inaccessible, donc... On sait ce qu'il nous reste à faire, passer les tours et aller voir Archibald qui se planque bien évidemment. Accès strictement interdit. Ouais, d'accord. Ouais, allez, c'est bon, c'est ça. Demi-tour, c'est la mort assurée.
voit du paysage en passage. Un truc sera dévoré sur le champ. Ouais, ok, super. Je ne l'ai pas encore dit. Partez, j'oublierai le reste. Tu te chies dessus un peu, gars, non? Sacré voyage qu'il faut faire pour aller à lui. Hein. Alors, comme ça, on se croit habile. Oh, le troll! Archibald le troll, quoi. Archibald trollolo. Bienvenue en enfer. Ah, bah, quand même! Ah, quand même! Ok, bah. Non, mais ça va le faire, hein. Ça va le faire large. Je vais vous mettre juste en pause le temps de gérer tout ça parce que sinon ça risque d'être long. On se retrouve très vite. Et on se retrouve donc pour le combat final. J'ai passé quelques tours pour me faire quand même une petite armée avec Roland. Je vous ai épargné tout ça. Donc on y va avec 25 titans, 40 dragons noirs, 44 cyclopes, 24 dragons éthiques et 49 grands ogres qui t'en est par là. Et on va aller voir ce que ça va donner. J'espère déjà que le combat automatique va nous donner une victoire. Ouais, donc on gagne déjà avec le combat automatique, ça c'est pas mal. Bien évidemment, on va faire le combat. Ok, alors ce qu'on va faire, on va être très attentiste, on va profiter de ceux qui tirent à distance, et puis on va y aller tranquillou. Et puis on va les attendre. Moi, je suis pas pressé, je vais protéger mes géants. Ok, ça c'est fait. Il est très défensif, hein, du coup. Moi, ça me va. Ça y est, il passe à l'offensive. C'est vrai que j'ai même pas regardé, mais j'avais de la magie, hein, forcément. Magie, bah qu'est-ce que je peux faire de spécial en magie? Si, bah une bénédiction sur les géants. Vu que pour le moment, on reste tranquillement chez nous. Ok, refait l'apocalypse. Comme ça nous fait mal qu'à nous en plus. Je pensais que ça ferait mal au moins à tout le monde. Mais non, il prend le temps de s'amuser. Il lui reste beaucoup de mana en plus. Hein. Et il s'éclate, hein. Merde, j'ai oublié d'attaquer, quel idiot. Ok, il est parti à l'attaque là, faut que je fasse gaffe quand même. On va repartir. On va l'attendre. Voilà, on va soigner quelques géants. On va re-soigner des géants.
encore beaucoup de magie, on va re-soigner des géants. Tac, tac, tac. S'il veut rester là-bas, bah moi ça me va. Hein. Ah ça y est, il attaque. C'est la fin. Ouais, tu peux faire des apocalypses si tu veux, mais... Et quand c'est la fin, c'est la fin. Et voilà. Puissance de 4, forte connaissance de 5, et l'ultime bouclier. Ouais, ça va, il était bien. Et voilà, c'est la fin de cette campagne. Vous avez capturé Brandamour, vous êtes victorieux. Archibald, mon bien cher frère, je t'accorde ma clémence malgré tous tes crimes perpétrés contre ce royaume et moi-même. Tu n'en aurais sûrement pas fait autant pour moi. Je te condamne à être changé en pierre et à rester enfermé dans le donjon. Tu y demeureras jusqu'à ce qu'une génération future ait pitié de toi et qu'elle décide de te ramener à la vie. Peut-être cela ne se produira-t-il pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ton regard ne se posera jamais plus sur la couronne. Et voilà! Une fois de plus, une campagne menée à bien, terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, d'avoir suivi cette nouvelle campagne. Et je vous dis peut-être, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être les extensions que je n'ai jamais fait. Donc voilà, pourquoi pas. Merci à tout le monde de m'avoir suivi et je vous dis à très vite sur les Jeux du Cygne. Bye bye les gens, merci.